Salut à tous. Je m'appelle Claire, donc je suis l'auteur de deux blogs. Le premier, c'est recouvrement-facile.com. C'est un blog où je partage en fait mon expérience de Claire d'huissier. Désolée, j'ai pris froid, donc je parle avec une petite voix. Et puis le deuxième blog s'appelle devenir-huissier.fr. Et sur ce blog-là, en fait, j'ai pour idée de fédérer une communauté d'élèves huissiers qui révisent l'examen professionnel avec motivation et puis dans un esprit, on va dire, d'entraide, de solidarité. Parce que comme j'aime bien le dire, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est aussi un gain de temps considérable. Imaginez si vous pouvez mettre en commun des connaissances, les actualités juridiques, des actes, vous pouvez vous répondre entre vous à des questions, des réformes, n'importe, des articles, des courants de pensée, des bouquins. Salut Amine, ça fait plaisir de te voir. Donc voilà, donc c'est mon ambition. Et d'ailleurs Amine, donc qui est connecté, c'est lui qui m'a donné l'idée des lives. En fait, demain à 19h30, j'organise un live. J'ai envoyé un petit email aux gens qui sont déjà dans la liste. Vous pouvez vous connecter sur mon blog devenir-huissier.fr pour en savoir plus. Et puis, je renverrai un petit email demain pour vous donner le lien et vous expliquer comment ça se passe. D'ailleurs, je vais tester le chat. En fait, là, je fais un live improvisé sur conseil d'Amine, d'ailleurs. Je vais vous mettre son blog dans la description, enfin quoique dans le chat, je crois que vous pouvez cliquer sur son pseudo et puis vous tapez les aventuriers du DSCG dans YouTube et puis vous tombez sur sa chaîne qui est très intéressante aussi. Alors, je vais vous mettre, en fait donc je fais un test, hein, donc désolée pour les petits temps de silence et pour être sûre que tout fonctionne bien demain. Dites-moi hello, si vous êtes... Ah, merci pour ton retour, Amine, c'est top. Si vous êtes présent et métier. Voilà. Parfait. Alors, la petite organisation pour demain, c'est tout simplement que pendant 5 minutes au début, voilà, je réexplique un petit peu ce qu'on va faire. Ensuite, de 19h35 à 20h, on révise pendant 25 minutes, donc je vais couper le micro. Donc pour cela, Amine m'a dit que je peux le faire depuis mon téléphone, désactiver le micro. Donc je désactive, je vais faire le test. Super, merci Amine. J'ai fait aussi le test du coup puisque je regarde la vidéo en direct sur l'ordinateur. Effectivement, je n'entends plus le son. Donc voilà, pendant ces 25 minutes de révision, je couperai le micro pour que vous puissiez. Ouais, je vais recouper. Pour que vous puissiez vous-même réviser en toute tranquillité. Voilà, mais que vous dire de plus? Préparez d'ores et déjà peut-être les sujets que vous voulez réviser ou les pages que vous voulez lire, la leçon que vous voulez ficher, les actes que vous voulez préparer, normer pour demain. Évidemment, je compte sur toutes les personnes qui seront présentes pour répondre aux questions qui seront posées dans le chat. Si je peux y répondre, j'y répondrai avec plaisir également. Qu'est-ce que je dois tester d'autre? Je vais voir. Je vais tester un petit commentaire, tiens. Je
pu mettre un petit commentaire avec la petite description récapitulative. En tout cas, merci beaucoup, Amine, toi qui m'as inspiré à 100% cette initiative. Donc, je te dirai si les élèves huissiers sont intéressés pour qu'on le fasse plus souvent. En tout cas, ça a l'air sympa. Après, je ne sais pas si comment c'est chez vous, mais la qualité de la vidéo est pas terrible. Là, je filme avec la caméra de selfie, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Donc peut-être que demain je tournerai avec l'autre caméra, enfin celle qui est en fait la caméra arrière, parce qu'elle a une meilleure qualité. Salut Damien, bienvenue. Donc là, je suis en train de poster un commentaire. Donc c'est un petit live test. Merci de me dire si tu m'entends bien, Damien. J'ai l'impression que l'écran il tremble un petit peu quand j'écris aussi. Réviser seul. Hop. Voilà, donc là je poste le commentaire. On va voir si vous le voyez en direct. Super, bah merci beaucoup Damien pour ta réponse. Ah oui, je vais peut-être installer un meilleur éclairage. Bonne remarque Amine, merci beaucoup. Ok, impeccable. Bon, bah, je pense que là, j'ai pu tout vérifier. Bien évidemment, je mettrai aussi dans le chat, si jamais quelqu'un arrive en cours de route, je préciserai que le micro est coupé parce que nous révisons. Évidemment, tu peux aussi arriver après 19h30. Hein. Je sais que tout le monde n'est pas rentré à cette heure-là, malheureusement. Donc, ce n'est pas un souci. Tu arrives à 20h, à 20h30. Tu pourras quand même bénéficier d'une session. Et puis réviser un minimum. Et dernière chose, le but de ce live demain, c'est que tu puisses échanger avec les autres participants. Alors pas pendant les phases de révision, bien sûr, mais pendant les pauses de 5 minutes entre nos trois phases de révision de 25 minutes. Et puis, pourquoi pas, te faire un ami de révision pour garder la pêche. C'est vrai que l'examen professionnel, c'est particulier. On a envie d'en parler tout le temps autour de nous, à notre famille, à nos amis, et puis on les saoule. Ils comprennent pas trop, ils essaient de nous rassurer, et puis après on réussit le clair expert, donc ils me disent, bah tu vois, t'as réussi, de toute façon t'as toujours tout réussi dans tes études, dans ta vie, donc l'examen professionnel tu le réussiras, etc. Donc bon, c'est compliqué. Donc je me dis que si grâce à ce live vous pouvez trouver des personnes qui partagent un peu cet état d'esprit, et puis bah, qui traversent voilà, la même épreuve que vous, ça serait vraiment excellent. Je serais très contente rien que de ça. Parce que, comme j'aime bien le dire, en fait, je considère personnellement, vous me direz votre avis d'ailleurs, je considère que le mental dans l'examen professionnel, c'est un peu la troisième épreuve tacite de l'examen. Vous avez d'abord les écrits, les oraux, troisième épreuve, le mental. Ça, il n'y a rien à dire si t'es pas costaud, c'est très compliqué. Et ils cherchent des gens qui soient costauds, évidemment, parce que quand on est huissier de justice, on vit des situations qui sont difficiles émotionnellement, et puis ça demande beaucoup de travail aussi. Voilà. Et bah écoutez, les amis, je vois que tout est paramétré correctement. J'ai la validation de mon ami qui m'a recommandé de faire des lives, voilà, pour tester. Donc je vous dis à demain, 19h30. Révisez bien, mais révisez pas trop tard. Le sommeil, c'est aussi très important pendant cette phase de révision. C'est un marathon, c'est pas un sprint, hein. Vous devez tenir là jusqu'à fin novembre, donc prenez soin de vous quand même. Allez, je vous dis bonne soirée, à demain. Bye!